duel d'invaincu et match phare à la Trocardière avec la réception de Montpellier par Nantes lors de cette quatrième journée de Lidl Star League. Chez eux, en championnat, les hommes de Thierry Anty n'ont plus perdu face à leurs visiteurs depuis 2012 et veulent poursuivre sur cette lancée. L'entame de match est serrée et Balaguer, comme souvent, est à la conclusion. Malgré une ambiance bouillonnante, le MHB fait aussi mouche par Simonet. Le score monte à 10-10 à la 18e. En confiance, le H va trouver quelques brèches chez son adversaire et prendre une première fois les devants, 14-11 à la 26e. Montpellier revient à hauteur notamment grâce à Porte, 5 buts qui s'arrachent ici. Avant que le buzzer ne résonne, les Violets vont réussir à conserver un but de mieux et rejoindre les vestiaires sur le score de 15-14. Après la pause, Nantes continue de proposer du jeu et de mener les débats comme sur cette action de Claire, 5 unités. Le H est devant 18-15, mais les Héroltais vont une nouvelle fois revenir en s'appuyant sur Gérard dans les cages qui sort ici une grosse parade face à Balaguer. Montpellier mène ensuite la vie dure à son hôte. Le ballon circule bien et arrive sur l'aile jusqu'à Toumi qui inscrit l'un de ses 6 buts du soir. Le score passe de 23-23 à la 49e à 24-27 à la 54e. Dans le Money Time et malgré la pression de Nantes, Montpellier tient le cap et s'impose non sans mal. Score final 27-30. Le MHB fait le break sur son concurrent direct et reste en haut de l'élite avant de se rendre à Istanbul en Ligue des Champions. Nantes est en embuscade avant d'aller à Barcelone.